Et bonjour les amis de Fred de Mazer et bienvenue pour ce nouveau live. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, vous le savez, vous regardez là, vous avez la fenêtre chat si vous voulez dialoguer durant ce live. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de poser des questions ou des commentaires et je répondrai pendant le live, si jamais vous le faites aussi lors de la diffusion sur YouTube. Et je pourrai ainsi répondre aux commentaires que vous mettrez sous la vidéo. Voilà. Bon, alors, ce live devait s'appeler l'immense antenne D11. Effectivement, je voulais aller filmer cette fameuse antenne que l'on peut apercevoir depuis les éoliennes, où j'ai été filmé. Mais voilà que deux problèmes se sont ajoutés à cette envie de faire la vidéo. Le tout premier, c'est Corinne C. Je ne vais pas dire son nom de famille, on ne sait jamais. Une adhérente de Fred de Mazer, qui m'a dit que c'était un terrain militaire. Et comme tout bon terrain militaire, il est interdit de s'approcher du lieu. Donc déjà, ça, j'avoue, c'était pas très rassurant. Mais le deuxième problème, c'est que hier, pour rien vous cacher, j'ai essayé quand même d'aller voir cette antenne de près. Alors, en fin de, on va dire, en fin d'après-midi, début de soirée, avec le soleil rasant, c'était impossible à regarder où c'était cette antenne. Je ne la voyais pas, c'était une horreur. Et j'ai attendu donc un peu la pénombre, voir un peu la nuit pour essayer de la voir de nuit, clignoter tout ça. J'ai jamais su m'y rendre, donc j'ai abandonné. J'ai dit, c'est un signe, il faut pas insister, donc c'est non, c'est non. Et bien du coup, ce projet-là tombe à l'eau, mais comme tout bon organisateur de mes sorties, j'ai préparé un plan B, et ce plan B, je vais vous l'expliquer de suite. J'ai filmé, vous le savez, le rognier. J'ai filmé, vous le savez, l'Hers Vif au domaine des oiseaux. Le seul truc que je n'ai pas filmé, c'est l'Hers Vif qui longe la ville de Mazères, le village. Donc, eh bien, ce sera pour ce dimanche. Je vais aller donc tôt le matin filmer ce sentier qu'il y a, pardon, le long de l'Hers Vif. On pourra y voir le pont vieux. On pourra voir la centrale. Enfin, on verra tout. Je vais vous filmer tout ce que je peux filmer le long de ce chemin qui, je pense, va jusqu'au domaine des oiseaux. Ça, on va le découvrir ensemble parce que pour moi, ce sera une première. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais pas grand-chose. Si ce n'est que ça a été un petit peu décevant de ne pas pouvoir aller filmer cette antenne, de ne pas pouvoir aller la faire. Mais c'est pas grave. Il y a tellement de choses à voir ici. Voilà, c'était un projet que j'avais parmi tant d'autres, mais bon. Le principal a été fait, c'était quand même les éoliennes. Je voulais être au pied d'une éolienne. J'y étais, ça s'est fait, on n'en parle plus. Hop, voilà. Ça a entré dans la polémique, toujours pareil, de est-ce qu'il faut faut mettre ou pas des éoliennes. Ça, c'est autre chose. Je voulais juste être au pied d'une éolienne pour voir ce que ça faisait. J'ai réussi à le faire. Le projet de l'antenne donc est annulé, on ne le fait pas, ça c'est sûr, bim bam boum, on passe à autre chose, on passera donc à l'Hers Vif. Vous dire comment ça va être, je n'en sais rien. Si ça va être un film assez long, je ne sais pas non plus, je peux rien vous dire du tout. On va filmer ça, enfin, je vais filmer ça comme je fais toujours avec vous les amis, pour que vous puissiez découvrir, comme ça je ne me sens pas seul au moins quand je fais la randonnée, pour que vous puissiez découvrir avec moi les différents endroits qu'on n'a pas l'habitude d'aller visiter.
Et puis voilà quoi. Donc ce dimanche, ce sera, si je ne me trompe pas, le dimanche 7. Le dimanche 7, on va aller ensemble, vous et moi, découvrir cette rivière. Cette rivière, alors il faut savoir que j'ai fait des petites recherches quand même, je ne suis pas resté les bras croisés, hein. C'est une rivière affluente de l'Ariège qui prend sa source dans la forêt de Pradès, dans le massif des Pyrénées. La longueur, c'est 134,9 km, pour pas dire 135, hein. Et bien sûr, il y a trois départements qui sont traversés par cette rivière. C'est l'Ariège, l'Aude et la Haute-Garonne. Entre parenthèses, c'est dans la Haute-Garonne, Sainte-Gabelle, que se fait le confluent entre l'Ariège et donc l'Hers-Vif. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, rien d'autre. Voilà. Si, peut-être, ça va être important quand même. La diffusion, ce sera le 27 août. 27 août, puisque je suis en plein montage vidéo de la découverte de salles sur l'Hers, justement. Et donc, salles sur l'Hers, ce sera le 13 août. Et donc le 27, ce sera l'Hers Vif à Mazères. Alors je n'ai pas trouvé encore le nom, mais je vais le trouver. Ne vous inquiétez pas, ce sera un rapport entre Mazères et l'Hers Vif, forcément. Hein. Petit détail, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais là, regardez. Hop, là, voilà. Il y a la plume que j'ai trouvée, que vous avez pu voir dans la vidéo. L'été au domaine des oiseaux qui a rencontré un franc succès, je vous en remercie sincèrement. Et à ce sujet, je vais vous faire non pas un live parce que c'est trop compliqué pour le réaliser, pour le filmer, en fait, tout ça, mais je vous ferai une petite vidéo de remerciement sur vos vues. Sur la chaîne YouTube, parce qu'il y a des vidéos qui sont en train de tout exploser. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je vous en remercie sincèrement, parce que c'est grâce à vous si tout ça marche si bien. Voilà, les amis, bah écoutez, ça fait 10 minutes que je vous raconte ma vie, mes problèmes, de ne pas pouvoir aller filmer un endroit et d'aller filmer un autre. Heureusement, ici à Mazères, il y a toujours un truc à faire. Ça va, ça tombe bien. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais vous dire un truc. Je vais essayer de le faire pendant le montage à vidéo pour YouTube. Mais regardez le chapeau, on dirait qu'il a deux yeux et une bouche. Non? Je vous ferai, voilà. Là, voilà. Je vous fais donc le dessin sur YouTube. Vous ne pouvez pas le voir sur Twitch, c'est dommage. Voilà. Donc on dirait vraiment qu'il a deux yeux, une bouche. Tant mieux. Comme ça, si moi je n'ai plus rien à dire, peut-être que lui aura envie de parler. Bon, en fait, j'arrête mon délire. Tout ça pour vous dire, chers amis de Fred Amazer, qu'une vidéo va être tournée. Oui, très important. Le week-end du 15 août, je vais aller filmer une nuit. Au lac des oiseaux, au domaine des oiseaux, pardon. Donc, ça va être une expérience assez exceptionnelle. Alors là, ça se fera, mais je vous en reparlerai, hein. Ça se fera au lac Augier, mais j'en ferai peut-être une nuit à chaque lac, à chaque étang, pardon. Ce ne sont pas des lacs, ce sont des étangs. Voilà, donc je ferai une nuit à chaque étang, mais on va y aller piano piano parce que tout seul là-dedans, je vous garantis que des fois, on se demande si je suis pas un peu poupoup, foufou. Voilà. Bon, mais les amis, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous remercie d'avoir suivi ce live en différé, puisque je vois que
Il n'y a qu'un seul spectateur et je le remercie. Je ne sais pas qui c'est, mais merci à lui. Voilà, mais écoutez, moi je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Donc ce dimanche, je vais réaliser ce film, enfin, cette vidéo sur l'herse vif dans Mazères. Et ensuite, n'oubliez pas donc que le 13 août, vous aurez la vidéo de la découverte de Salles sur l'Erskine. Une vidéo pas mal, vous devriez quand même la regarder parce que franchement, elle est très 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 agréable à... Elle a été très agréable à faire et elle est très agréable à regarder, du moins ce que j'ai vu dans le montage. Voilà. Je vous embête pas plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis. Prenez soin de vous et des autres. Ciao.